Et salut à toutes et à tous, c'est Saku. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de l'avenir des jeux vidéo. Car on l'a vu avec l'annonce récente de Call of Duty Black Ops 4, il va y avoir quelques changements à mon avis dans le futur des jeux vidéo, des jeux multi, des jeux solo. Bref, on en parle tout de suite, c'est parti. On l'a vu avec cette annonce de ce fameux Call of Duty Black Ops 4, il n'y aura pas de mode solo dans Call of Duty. Et certains ont été choqués, d'autres non, d'autres pensent que c'est normal. Ce que je pense, c'est que peu importe, de toute façon, ce Call of Duty, je ne pense pas le faire, même s'il me tente beaucoup. Je sais pas, je verrai hein, si je le fais. Si je le fais, vous en serez les premiers au courant. Mais en tout cas, ce qui peut choquer, c'est qu'on n'a pas ce fameux mode solo. Et à mon avis, ça augure le futur du jeu vidéo. Qui peut, à mon avis, se séparer entre jeu solo et jeu multi, ça veut dire que pour moi, dans un futur plus ou moins proche, on risque de ne plus avoir de jeu qui comporte un gros mode solo et un gros mode multi. Alors, on pouvait considérer Call of Duty comme ayant un gros mode solo, entre guillemets, parce qu'il y avait quand même les moyens qui étaient mis sur cette campagne, même si elle était assez courte, il y avait les moyens qui étaient mis. Par contre, oui, la campagne n'était pas ultra longue, et elle n'était pas surtout énormément appréciée des joueurs, on a vu les chiffres. Il y a moins de la moitié des joueurs qui lançaient le mode campagne des Call of Duty récemment, voire beaucoup moins hein, pour les derniers Call of. Et je peux comprendre totalement que les éditeurs, du coup, ne se cassent plus la tête à faire du solo qui ne va pas être apprécié. Ils vont mettre des millions dans une campagne qui ne va pas être jouée, pas être lancée. Au bout d'un moment, on peut les comprendre. Alors, je pense que dans un futur proche, plus ou moins proche, on va dire, les jeux risquent d'être vraiment séparés entre expérience solo, comme on peut avoir dans Uncharted, dans Zelda, dans Mario, bref, vous connaissez les titres. Et expérience multi, Overwatch n'a pas de solo, Call of Duty n'aura plus de solo. Il y a beaucoup de jeux comme ça qui n'ont plus à avoir, à mon avis, de mode solo pour se concentrer uniquement sur le multi. Alors là, une question va se poser. Comment va s'organiser l'économie de ces jeux? Est-ce qu'on va avoir des free-to-play? Est-ce qu'on va avoir des jeux toujours vendus 70€ et en plus avec des microtransactions? Ça, je n'en doute pas, je le dis tout de suite. Je n'en doute pas qu'on aura des jeux comme ça. Soit est-ce qu'on aura que des jeux free-to-play, c'est-à-dire on n'achète vraiment rien et on a des microtransactions seulement dans le jeu. Là, là va être un petit peu le débat du futur. À mon avis, on va tout tenter hein, dans les jeux vidéo. Là, ce Call of, il risque d'être vendu plus quelques microtransactions. Hein, à mon avis, ce sera comme ça. Mais est-ce que ce sera comme ça tout le temps? Ça, je ne sais pas. Bref, assez parlé de l'économie de ces jeux. Hein, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on aura dans le futur? Eh bien, je m'imagine vraiment que les éditeurs vont totalement séparer ces deux types de jeux. Je pense vraiment que les gros jeux AAA vont toujours se concentrer sur un solo énorme. Hein. On l'a vu avec God of War, on l'a vu avec Zelda, on le voit avec les Uncharted, on le voit avec la plupart des jeux d'horreur, on le voit avec la plupart des jeux de rôle. Bref, du solo, uniquement du solo. Et à côté, on aura des jeux qui vont se concentrer uniquement sur le multi, c'est ce qu'on appelle les fameux jeux Game as Service, hein, qu'on voit de plus en plus. Et ben, je pense qu'on va aller là-dessus. Alors, rebondissons un petit peu sur le thème principal de la chaîne, qui est Nintendo, est-ce que Nintendo va aussi évoluer là-dessus? Pour l'instant, on peut voir un exemple avec Splatoon 2. Splatoon 2, c'est un jeu qui a un solo qui est assez court, hein, qui peut se comparer au solo des Call of de l'époque, mais ils vont en rajouter un petit peu de la partie solo. Bref, le solo pour les jeux multi Nintendo n'est pas encore mort. On a toujours du solo dans Mario Kart, on a toujours du solo dans Splatoon, on va avoir un gros solo dans Mario Tennis. Pour l'instant, Nintendo est un petit peu en dehors de ça, mais on sait très bien que Nintendo, ils sont un petit peu en retard par rapport aux autres, et sur la prochaine génération de consoles, ça peut très bien... Splatoon 2 peut très bien avoir que du solo. Mario Kart, non, Mario Kart on va pas y toucher, mais pourquoi pas les Mario Tennis, les Mario Party, bref. Tous ces jeux qui ont un potentiel multi, pourquoi pas avoir uniquement du multi, on oublie le solo et on se concentre uniquement sur un multi qui va attirer les joueurs, un gros multi avec plein de modes de jeu, plein de possibilités, plein de personnages, plein de maps, etc. Je sais pas, j'imagine bien que Nintendo puisse aller là-dessus, alors je vais le dire tout de suite, c'est pas quelque chose que je souhaite. J'aime beaucoup le solo des Mario Tennis, j'aime beaucoup le solo de Splatoon, j'aime beaucoup ces jeux qui nous donnent une expérience solo, parce que ça reste la base pour moi du jeu vidéo. J'ai toujours aimé faire mes jeux en solo. Les Xenoblade, les Mario, les Zelda, ça a toujours été un excellent moment. Mais au bout d'un moment, il va falloir évoluer avec son temps. Si les jeux Game as Service, donc Only Multijoueur,
marche, et ben je vois pas pourquoi Nintendo s'arrêterait. Je vois pas pourquoi ils en profiteraient pas. Hein. Il faudrait aller sur cette voie parce qu'au bout d'un moment, c'est leur avenir hein, qui est en jeu, faut pas l'oublier. Il y a évidemment le choix des joueurs, mais il y a des questions économiques là-dedans. Et si c'est ce qui marche, et ben il va falloir passer là-dessus au bout d'un moment. Mais je vais rappeler quelque chose, c'est vous hein, qui choisissez ce qui marche et ce qui ne marche pas. Si ce Call of Duty uniquement multijoueur fait un four total, et ben là, les joueurs qui veulent une expérience solo auront gagné parce que Activision sera bien obligé de revenir sur son expérience solo pour réattirer ses joueurs. Mais encore une fois, je ne pense pas. Je pense que ce Call of marchera comme tous les autres. Alors certes, ça ne marche pas comme avant. Mais à mon avis, il n'y aura pas une énorme baisse des ventes parce que tout simplement, comme on l'a vu en début de la vidéo, les gens ne lancent pas d'expérience solo de Call of Duty. C'est vraiment dommage parce qu'il y a eu des très bonnes campagnes. Moi, j'ai des très bons souvenirs dans les solos des Call of. Hein. Call of Duty 4, Call of Duty 5, Modern Warfare 2, Black Ops. J'ai vraiment de bons souvenirs des campagnes, même dans les récents, hein, on va dire. J'ai fait quelques campagnes et j'ai de plutôt bons souvenirs. Mais c'est plus ce que recherchent les gens. Les gens, maintenant, ils veulent de la compétition, du multi. Et les jeux vont là-dessus. C'est triste pour certains, mais c'est normal pour d'autres, on va dire. Bref, j'en ai fini avec cette vidéo. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Nintendo aussi peut s'orienter dans un futur plus ou moins proche dans des jeux Game as Service, avec notamment, par exemple, Splatoon 2, à mon avis, c'est le jeu qui peut représenter ça. Ou est-ce que Nintendo va nous laisser ses expériences solo? Je pense, encore une fois, que Nintendo va vraiment essayer jusqu'au bout de nous laisser les expériences solo, parce que c'est dans leur gène. C'est dans l'ADN de Nintendo et je vois pas comment ils pourraient revenir en arrière. Mais l'évolution, l'économie, ce qui est demandé par les joueurs, et ben ça évolue et Nintendo devra bien évoluer lui aussi. N'oubliez pas le petit pouce bleu et du coup le commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.